Nam de Gartelof Baba a fait une indigestion. On va l'ouvrir pour savoir ce qu'il a bien pu manger. Mais attention, avant de l'ouvrir, avec ce couteau non aiguisé. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il va falloir qu'on prenne des précautions avec cette mallette de soins. C'est parti, on l'ouvre et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non! Mais hasard de dingue! Il y a beaucoup d'outils, du matériel médical pour opérer Nam. On a des seringues, j'en avais déjà une. Ça va nous permettre de l'anesthésier avant de l'opérer. J'ai un marteau, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour ses articulations. Attention, on va taper pour voir s'il réagit. Bon. Ouais, je suis pas sûr qu'il réagisse. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Ouais. On a un thermomètre pour la température. On a quelque chose, je crois que c'est pour les oreilles, pour inspecter si elles sont pas trop sales. Bon, ça a l'air d'aller avec Nam. Et ensuite, j'ai plein d'autres trucs. J'ai des pansements, regardez tous les pansements que j'ai. J'ai un petit masque, je sais pas à quoi ça sert. J'ai un ciseau, what? Ouais, en plus c'est un ciseau, je ne sais même pas à quoi ça sert, regardez comment il est bizarre. J'ai du fil pour le recoudre. Et en plus, regardez, il est bleu comme Nam. C'est vraiment parfait. Ah, là, j'ai un vrai ciseau pour l'ouvrir. J'ai une pince à épiler au cas où on découvre des choses vraiment bizarres à l'intérieur de son ventre. Qu'est-ce que l'on va découvrir à l'intérieur de Nam? Il a vraiment fait une grosse indigestion. Je pense qu'on va vraiment découvrir des trucs de fou furieux à l'intérieur. J'ai un petit pansement, du coton pour éponger un petit peu le sang, et un stéthoscope, voilà. Hop, et on va écouter son cœur, c'est parti. Ah ouais, Nam, il va vraiment pas bien. Il va falloir vraiment qu'on l'opère. Du coup, c'est parti, hop, je pose mon stéthoscope et je m'apprête à l'ouvrir. Non, attendez. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je pense que Nam, avant qu'on l'opère, il a besoin du soutien de tous ses amis. Tous ses amis de Garten of Baban. Mais avant ça, d'ailleurs, nous avons une urgence avec Cartoon 4. En effet, ils se sont pas bien du tout. Apparemment, il a mangé quelque chose qui n'était absolument pas bon pour lui. Du coup, on va devoir aussi l'ouvrir avec ce couteau non aiguisé. Allez, c'est parti, on va ouvrir Cartoon 4. C'est parti, hop. L'incision, l'ouverture s'est parfaitement bien passé. C'est parfait, on l'a parfaitement ouvert. C'était quand même pas mal de travail. Il est parfaitement endormi dans des j'écoute. Oula, il est en train de se réveiller. Vite, il faut que je le rendorme. Mais j'ai plus d'anesthésion. Attendez, 2 secondes, il en faut. Hop, c'est bon, je prends. Voilà, let's go, de l'anesthésion. Voilà, c'est bon. Pop. Voilà. Est-ce qu'il est de nouveau anesthésié? Oui, ça a l'air d'aller. On va pouvoir définitivement l'opérer. Je l'ouvre un petit peu plus. Voilà, on l'ouvre. Un petit peu plus vers le haut. Ok, donc là c'est bon, il est entièrement ouvert. Il y a un petit peu de sang et je n'ai pas de gants. Vraiment, c'est Docteur Diabolo version Wish. Donc là, c'est parti, on va l'ouvrir. What? Mais qu'est-ce que je viens de découvrir déjà en ouvrant son ventre? Un œil? Non mais Cartoon 4, mais qu'est-ce que t'as mangé? Regardez ce que Cartoon 4 il a mangé. Alors imaginez ce que Nam il a dû manger. Bref, on va continuer de voir un petit peu ce qu'il a à l'intérieur. Je prends la pince à épiler. Je vois quelque chose ici. Attendez, je vais tirer. Hop, je crois que je l'ai. Je le sors. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Une araignée? Non mais what? Regardez, il avait une araignée à l'intérieur de son ventre et un autre œil. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non mais c'est normal qu'il se sente pas bien. Il a des araignées et des yeux à l'intérieur de lui. On va encore fouiller. Mais je sens plein de choses. Non mais attendez, mais tout ce qu'il a à l'intérieur. Encore une araignée? Mais c'est pas possible, il était clairement en train de mourir ou quoi? Il a encore une araignée. Je sens tellement de choses à l'intérieur. Un autre œil? Non mais on va découvrir combien de choses comme ça à l'intérieur. Hop, là, j'ai un autre œil. Regardez, un nouvel œil. On continue de chercher à l'intérieur. Oh, par contre, regardez, j'ai un petit peu de sang sur les doigts. Et là, j'ai un autre œil. Mais non, mais il est rempli d'œils et d'araignées. C'est quoi ce délire? Vraiment, je comprends pas du tout tout ce qu'il a fait. Une nouvelle araignée. Oh là 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 là. Attention, parce que là, on est en train de lui prendre des organes. Une nouvelle araignée, ça fait 3 araignées. Je sens encore énormément de choses. Hein. Regardez. Je sens des yeux. Mais je sors des yeux toutes les 2 minutes. Une nouvelle araignée, encore. Non mais là vraiment ça va pas. Cartoon 4, qu'est-ce que t'as fait? Un nouvel œil? Mais c'est pas possible. Il a mangé le monstre de The Doors ou quoi? D'ailleurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification dès maintenant si vous aussi vous avez déjà joué à Doors de Roblox. Mais uniquement si vous avez déjà joué. Ceux qui n'ont jamais joué, vous n'avez pas le droit de vous abonner. Je commence à avoir plein de sang sur les doigts. J'ai une nouvelle araignée, non mais vraiment c'est un carnage. Il y a 50 000 araignées à l'intérieur de ce Cartoon 4. Encore un œil, non mais vraiment ça en fait combien là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 yeux à l'intérieur. Et je sens encore une araignée, non mais c'est pas possible. Et un œil, regardez tout ce que je sens en même temps. Oh là 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 là, c'est vraiment du grand délire. Bon là le problème c'est que ça commence à être un petit peu le carnage du côté de... Et je sens encore une nouvelle araignée. Hop là, une nouvelle araignée. Décidément c'est pas possible, en plus des yeux on en trouve vraiment à foison, il y en a encore. Je
je fouille un peu à l'intérieur. J'ai l'impression que ça commence à être un petit peu mieux. On va tout remettre à l'intérieur. Voilà, hop, voilà. J'ai trouvé 13 yeux à l'intérieur de Cartoon Cat, ainsi que 7 araignées. Regardez-moi tout ce butin. C'est clairement normal qu'ils ne se sentaient pas du tout bien. Bon, Cartoon Cat, je vais te laisser à mes assistants. Ils vont te recoudre et nous on va passer à Nam-Nab parce que ça commence à devenir urgent. Là vraiment, attendez, je prends Nam-Nab, je regarde un petit peu. Je vais écouter, hop. Attendez, je mets mon stéthoscope. On est prêt à écouter Nam-Nab. Nam-Nab, il est en train de commencer à mourir. Les abonnés, vite, il faut qu'on le mette ici, ok. Les abonnés, il va falloir qu'on se dépêche et il faut surtout qu'on trouve ses amis pour qu'ils assistent à l'opération. Comme ça, ça va beaucoup l'aider. C'est parti pour la recherche de ses amis. Je crois que j'entends ses amis peluches à l'étage. Le problème, c'est que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, ma maison est infestée de monstres de Garten of Baban. Je ne peux pas monter à l'étage comme ça. Il faut absolument que je sois armé pour pouvoir monter, puisqu'il y a tout plein de monstres de Garten of Baban dans ma maison. Ça fait des jours que je ne monte plus à l'étage. Bon, allez, suis-moi, je vais chercher. Oula. Bon, allez, suivez-moi, je vais chercher des armes. Let's go. C'est parti. Hop. C'est bon, c'est bon. Bon, là, c'est un petit peu le bazar. Mais regardez, il y a des armes. D'ailleurs, si à un moment donné, vous voyez une peluche de Garten of Baban, alors que moi-même, je ne l'ai pas vue, écrivez-moi un commentaire avec le timecode correspondant et je mettrai un gros cœur à tous ceux qui ont trouvé. Bon, let's go. On a plusieurs armes. Je sais pas laquelle choisir. Peut-être ce pistolet. Oh, ouais, ce pistolet, il a l'air pas mal. Et regardez avec le viseur. Ouais. Celui-là, il a l'air pas mal. Je vais tirer. On va voir. Attention. Oh. Ah oui. D'accord. Ah oui, ce pistolet il est vraiment puissant. Je pense que je vais très clairement partir avec ce pistolet. Bon là j'ai plein d'armes d'assaut. Mais en vrai celui-ci il est très précis. Hop, c'est rechargé, j'ai mon viseur et j'ai 4 balles par contre. Tout en sachant qu'attendez, ils sont combien? Il y a Opila Bird, Bonbon, Jumbo Josh, Nam-Nab, Chef Pixter. Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que oui, ça fait 5 et j'ai 4 balles. C'est pas assez. Non, il va falloir une nouvelle arme. Ce fusil d'assaut, il y a combien de balles à l'intérieur? Le chargeur a l'air complètement plein. Ah, pas vraiment. Je sais pas combien il y a ces 4 balles. Bon, ce sera la surprise. J'espère qu'il y en a clairement assez. On va monter avec ce fusil à l'étage et on va chercher les peluches de Garten of Baban. Allez, c'est parti, on y va, hop, je suis ici. Wow, vous avez entendu ce bruit de Jumbo Josh? Jumbo Josh est très clairement à l'étage. C'est quoi ce délire? Et je vois une première peluche, je ne sais pas si vous la voyez, mais regardez, juste là, on voit Stinger Flynn. Ok, Stinger Flynn, je te vois. Ok, par contre, faut faire très attention à partir de maintenant, il peut y avoir Jumbo Josh à tout moment. Ok, je suis là, on va lui tirer dessus. Oh, c'était un petit peu pourri, je crois que je vais devoir sauter pour le choper. Oh, let's go. J'ai chopé Stinger Flynn. Première peluche trouvée. Je vais aussi recharger mon arme. Voilà, puisque vous venez de l'entendre, on vient d'entendre Jumbo Josh. C'est tellement flippant. Je remets mon chargeur et voilà, on a déjà une première peluche. Il faut qu'on trouve une deuxième peluche. Allez, venez, let's go dans la salle de bain. Il a l'air d'avoir rien du tout. Ouais, il y a pas grand chose, hein. What? Regardez avec moi, Jumbo Josh. Mais c'est quoi ce délire? Bah écoutez, hop, je vais le prendre. Alors évidemment, c'est seulement la peluche de Jumbo Josh. Ce n'est pas le Jumbo Josh que l'on a entendu, qui était super flippant. C'est juste la petite peluche. Allez, du coup, ça en fait 2. Let's go, il suffit d'en trouver encore. Attendez, je fais le calcul dans ma tête. Il en reste encore 3 à trouver. Alors, dans cette chambre pour voir. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Peut-être là-bas, on va aller voir. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Rien du tout ici. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour d'étage. On va descendre en bas. Peut-être que Jumbo Josh est descendu en bas. Je suis vraiment en mission. Ok, c'est bon. J'observe la pièce. C'est bon, il est là d'avoir rien du tout. Le champ est libre. Let's go, c'est parti. Dans ce meuble. On va regarder dans ce meuble. Rien ici. Rien dans ce placard. On va ouvrir ici. Rien du tout. Ouais. Et dans celui-ci. Oh! Mais regardez qui c'est qu'on vient de trouver, Bonbon et Bombalina. Le couple de Garten of Baban, ils sont ensemble, plus qu'une peluche à trouver. Je crois que quelques-uns de mes abonnés m'ont écrit un commentaire tout à l'heure. Vous m'avez dit, il y a Opila Bird là-bas, on va les vérifier ensemble. Ok, on y va, let's go. Je rentre à l'intérieur, vous le voyez vous, Opila Bird? Moi personne. Oh, il est là, Opila Bird. Bon, c'est quoi cette tête de Opila Bird? Il ressemble à rien du tout. Mais bon, c'est la peluche de Opila Bird, donc on va faire avec. Allez, let's go, on réunit tous les amis de Nam-Nab. On va les mettre autour de lui et on va l'opérer. C'est l'opération Nam-Nab et ça commence maintenant. Tous les amis de Nam-Nab sont présents pour son opération. On va tous les mettre autour. Voilà, let's go. Même Stinger Flynn, voilà. Et enfin, Jumbo Josh. Voilà, c'est parfait. On a tous les amis de Nam-Nab et on est prêt pour l'opération avec ce couteau non aiguisé. Allez, c'est parti, let's go. L'incision, l'ouverture, c'est parfait. Bien passé, par contre je crois qu'il a besoin encore d'une petite dose d'anesthésiant. Hop, voilà, on va lui remettre une dose d'anesthésiant.
Voilà, c'est bon, l'anesthésiant est rentré à l'intérieur du corps de Nam Nam. On va pouvoir finir l'incision. Ok, j'entends du bruit à l'intérieur quand je coupe. Il y a l'air d'avoir énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'a bien pu manger Nam Nam? On va sortir la première chose. Ok, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quoi? Un doigt? Un doigt avec une bague? Non mais c'est quoi ce délire? Regardez, je viens de trouver un doigt à l'intérieur de Nam Nam. Non mais là je suis désolé les amis de Nam Nam, mais clairement je sais pas trop ce qu'il a mangé, mais ça a l'air d'être vraiment étrange. Non mais quoi? Les abonnés, regardez ce que je viens de trouver! Une oreille à l'intérieur de Nam Nam! Non mais c'est quoi cette dinguerie? Oh! Non mais Nam Nam, non mais ça va pas! Non mais c'est quoi ce délire? Là vraiment, je sais pas ce qui se passe. Attendez, on va vite faire prendre sa température pour voir si ça va. Ok, on a résultat 39 degrés. Ok, il faut surtout pas que ça augmente parce qu'à 40, ça commencerait à devenir inquiétant. Regardez, et c'est vraiment écrit 39 degrés. Regardez, c'est écrit 39 degrés! Bon, let's go, on va continuer de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je sens des choses étranges. C'est quoi ça? Regardez! Regardez! Regardez vraiment! Un nouveau doigt! Mais c'est pas possible! Mais Nam Nam! Qu'est-ce qu'il a mangé? Attendez, on va enlever tout ça là, tout ce qu'a mangé Cartoon Cat, et on va observer ce qu'il a mangé Nam Nam. Mais forcément qu'il a fait une indigestion, il est en train de manger des humains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à l'intérieur? Oula, je sens quelque chose de vraiment étrange. Oula la 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 la, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Les abonnés, un œil! Regardez, un œil! C'est un œil humain ça? Vous pensez que c'est un œil humain? Genre, attendez, si je le mets comme ça. Est-ce qu'on dirait un œil humain? Je suis vraiment pas sûr, hein. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait pas du tout un œil humain. Mais alors qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'il a mangé? Une oreille, deux doigts, et encore, en plus j'ai pas fini. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quoi? Mais c'est pas possible! Un nouveau doigt! Non mais là vraiment c'est pas possible, regardez tout ce que je viens de trouver à l'intérieur de Nam Nam. Trois doigts, une oreille, un œil. Je fouille encore à l'intérieur, je sais pas s'il y a des nouveaux trucs. Ok, non, ça a l'air d'aller. Ok, on le remet à l'intérieur et là cette fois-ci les abonnés, ça va être un petit peu plus précis parce que lui, c'est à moi de le recoudre. Ok, on va mettre ça dans l'aiguille, on va le recoudre et ensuite on va lui mettre des pansements. Je viens de passer le fil dans l'aiguille, maintenant hop, je vais faire un petit nœud. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est la première fois que j'opère, du coup voilà, hein, j'apprends avec vous. Hop, on refait un petit nœud. Voilà, c'est bon, ok. Et là du coup on va recoudre, voilà, on met bien à l'intérieur. Ok, j'espère vraiment les abonnés que Nam Nam va être vivant une fois que je l'aurai fini de l'opérer. Ça va être très compliqué hein. C'est bon, je viens de faire passer l'aiguille, hop, c'est bon. On va la faire passer de l'autre côté, hop, c'est bon, voilà. Faut qu'on fasse ça de tous les côtés, hop. Je la remets à l'intérieur, c'est bon. De l'autre côté, voilà. Regardez comme ça, ça va serrer petit à petit. Hop, voilà. Ici, hop, voilà. On va remettre ici, voilà. Voilà, là on commence à être pas mal. On va continuer. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Ok, voilà. Hop, du coup là on est plutôt bien. Il est bien resserré. On coupe. Et là, on va couper aussi. Voilà, là, il est recousu. Bon, il est recousu à ma manière. Je rappelle, je suis le docteur Diabolo de Wish. Donc voilà, mais il est quand même recousu. Franchement, ça a l'air d'aller. En vrai, regardez sa cicatrice, elle se voit presque pas. Maintenant, il va falloir le réveiller et voir s'il est vivant. Je sais pas s'il est vivant ou pas. Ça va être très compliqué, on déplace un petit peu ses amis. Pour le réveiller, on va lui mettre un petit peu d'eau sur le crâne. Allez, hop, ça va le réveiller un petit peu. Voilà. Maintenant, Nam Nam, est-ce qu'il se réveille? Je crois qu'il est en train de se réveiller. Oui, il est en train de se réveiller, les abonnés. Il est clairement en train de se réveiller. Ok, il a l'air de bouger un petit peu. On va vérifier la température. Ok, ça prend tranquillement la température. Ouh là 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 là, la température est presque à 40,5. Ouh là 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 là, il va falloir trouver quelque chose. Attendez, oh, je vais piquer avec quelque chose pour que la température redescende. C'est bon, la température vient de redescendre et on va lui mettre un petit pansement. Regardez, on prend un joli petit pansement. Est-ce qu'il va rester vivant? C'est la grande question qu'on se pose. Pour l'instant, il a l'air d'être vivant. Je prends le pansement, hop, hop, voilà, un petit pansement. On va lui coller un premier pansement comme ça. Et on va lui en mettre un deuxième, voilà, hop, le deuxième pansement. J'espère vraiment qu'il va finir vivant, les abonnés, c'est une grande question. Hop, je sors le deuxième pansement. Allez, s'il vous plaît, hop. Le deuxième pansement, ok, c'est bon. Il a un double pansement, désormais les abonnés, ça va être la grande réponse à notre question. Je mets le stéthoscope. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Oh, j'entends son cœur battre, je crois qu'on a réussi. Mais Nam Nam, juste explique-moi, pourquoi est-ce que t'as mangé tout ça? T'as dû clairement manger un humain. C'est quoi ce délire Nam Nam? Non mais vraiment, c'est du grand délire. Regardez ce qu'avait mangé Nam Nam. Vraiment, mais voilà, il est vivant. Oh, les abonnés, je crois que Jumbo Josh commence à se sentir mal. Attendez, il me dit quelque chose dans l'oreille.
Toi aussi tu as fait une indigestion. À 5000 pouces bleus les abonnés, j'opère aussi Jumbo Josh lors d'une prochaine vidéo, alors mettez 5000 pouces bleus et on se retrouvera pour une prochaine vidéo opération avec Jumbo Josh. Une vidéo s'affiche là et une autre ici. Clique sur celle que tu préfères.